Et c'est parti pour Je l'aide, Luc Monet Show, le premier de la rentrée. Vous l'avez voulu, vous l'avez. Luc qui revient effectivement à la TV et pas des moindres puisqu'on va faire une émission. On va parler de la cryptocurrencies, le trading de la crypto. That's impossible. Ça fait un an que j'en fais, avec l'algo. On a tout testé, on l'a retourné dans tous les sens. On n'est pas effectivement à la hauteur de l'objectif qu'on s'était atteint. C'est qu'on s'était fixé, c'est pas du tout de notre faute, c'est pas de notre sort. Alors, est-ce qu'on peut vraiment gagner sur la crypto? Oui, je vais vous expliquer comment. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais inviter effectivement quelqu'un qui gagne vraiment sur la crypto. Dès le départ, je vous le dis, j'ai invité toute la place crypto, les mecs qui se baladent à droite, à gauche sur la TV publique, qui disent que ce sont des millionnaires du Bitcoin. Je n'ai pas été chercher Nabila et aussi Kim Kardashian parce qu'elles aussi, elles en parlent. Mais en tout cas, personne n'a eu les couronnes de venir effectivement sur le plateau de la TV Fort Monnaie ce soir pour en parler, faire un bilan, un point, ça tombe à point nommé puisqu'encore aujourd'hui le Bitcoin s'est crashé. Tiens, c'est étonnant, tous les médias le donnaient très acheteur depuis maintenant quelques jours. Ça ne m'étonne pas, on va même en rire puisqu'on parle même du Salvador. Ah, pas en rire, hein, le pays, tu verras, ça, tu vas te marrer. En tout cas, je tiens à saluer aussi Féti qui est avec moi dans l'émission. On le retrouvera en milieu d'émission. Il nous expliquera comment lui, vrai, effectivement, gagnant sur les cryptos, comment il fait. Mon petit doigt me dit qu'il ne traite pas sur les cryptos, mais qu'il les utilise dans un autre registre. Je suis un peu bancal. Est-ce qu'on peut passer peut-être à l'autre caméra? Voilà, ça sera plus simple. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Allez, The Let Luc Monet Show, le premier de la rentrée. C'est parti, c'est maintenant. Allez, c'est parti pour The Let Luc Monet Show. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, j'ai des annonces. J'espère que tout va bien dans The Let Luc Monet Show sur YouTube. On est diffusé, je sais, côté Genius TV. D'ailleurs, je vais vous parler rapidement aussi de la nouvelle app, l'app Genius, la trading plateforme Genius V3. Si vous êtes équipé en Android, c'est maintenant ou jamais. Vous pouvez aller sur le Google Play et télécharger effectivement l'app V3. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que dans cette app V3, vous aurez d'abord pour les abonnés, bien sûr, toutes les fonctionnalités nécessaires pour opérer. Genius, effectivement, devient aussi broker en paper trading dans un premier temps. On verra pour la suite. Genius Broker, ça arrive. C'est déjà d'ailleurs dans l'app V3. Vous avez tout. On vous fera une émission spéciale. Moi, je vous ferai une émission spéciale sûrement la semaine prochaine pour vous parler véritablement de l'app V3. Je vous fais une surprise aussi la semaine prochaine, cette fin de semaine. Vous pourrez la télécharger et vous aurez même un accès gratuit, limité bien sûr. On l'appelle Genius One. C'est celle qui permettra à tous ceux qui n'ont pas les moyens ou qui veulent voir la qualité de Genius directement dans l'app effectivement mobile pour Genius, disponible déjà sur Android, sur iOS, l'App Store, normalement dans la foulée. Ce soir, on va parler effectivement de crypto, on va parler de crypto impossible, le trading surtout, bien sûr. On va en parler sans langue de bois. Et vous voyez, si j'ai fait un petit peu un break dans The Let Luc Monet Show, c'est parce qu'il faut être honnête. On se dit tout, d'accord? Alors, on est diffusé sur Twitch, sur YouTube et sur Genius TV, mais vous n'êtes pas assez nombreux, absolument pas assez nombreux. Vous devriez être beaucoup plus que ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse le mardi soir? Vous voulez qu'on se raconte des analyses, qu'on se fasse des études de cas, des graphiques qu'on essaye de faire parler, mais on n'en a rien à foutre. Les graphiques, il y en a marre. Il y en a marre de voir des graphiques et de se raconter des salades, surtout pour vous faire croire qu'il faille acheter de la Luna ou Bibi
Babeloula ou qu'est-ce qu'on a d'autre, du Dogecoin ou des... Faut arrêter les conneries, bien sûr qu'il faut les arrêter. Vous êtes en train de filer votre blé à des gens qui se foutent de votre tronche et en plus, vous achetez leur bagnole. Alors évidemment, au bout d'un moment, arrêtez de vous plaindre, bien évidemment. Alors, on va en parler. On va en parler d'autant plus qu'encore une fois, j'avais invité toute la place, les Vincent Gann, les Hacheurs, tous ces gens qui passent même dans la TV publique pour expliquer que la crypto, c'est extraordinaire, ça fait des milliardaires, ça fait tout un tas de choses. Pour l'instant, ça fait des mecs qui chialent. Hein. Jusqu'à présent, j'en ai pas vu, effectivement, qui véritablement gagnent à long terme. Absolument pas. Donc, on va en parler. Alors, pour dire ce qui marche pas, j'avais besoin de personne. Mais pour avoir quelqu'un qui, effectivement, me dise, Luc, ça marche, j'avais besoin de gens qui clament haut et fort en permanence que la crypto, véritablement, gagne. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous le dire, la crypto, au mieux, tu fais un point mort, au pire, tu laisses ton capital. Et je vais vous le prouver dans le cadre du trading, bien sûr, puisqu'il y a un moyen, à mon sens, quand même de sortir gagnant de ce truc-là. Et pour ça, j'aurais fait tea avec moi tout à l'heure. Vous allez voir, c'est un crack. Vous l'avez vu déjà en avant-première. Il vous expliquera, lui, en tout cas, ce qui fonctionne. On est très loin des bobards racontés sur la TV et ailleurs. Et d'ailleurs, j'en rajoute, vous pouvez partager l'émission avec tous les mecs qui se la racontent sur les cryptos. Je serais très heureux de les avoir dans l'émission. On va aussi parler des robots. Faut me foutre la paix avec ça. C'est pour ça que des fois, les émissions publiques, moi, ça me gonfle. C'est du grand n'importe quoi, le milieu du trading. Et c'est de pire en pire. Donc, c'est vrai que j'ai favorisé la communauté des Genius qui gagnent maintenant beaucoup d'argent. On vous expliquera comment ils font. Mais c'est vrai que c'est chiant, quoi. C'est lourd, il y a tout et n'importe quoi. Et en ce moment, la mode, c'est le Ponzi. Et il y en a de plus en plus. Ça, c'est clair. Alors, je vous le disais, pour vous expliquer ce qui ne marche pas, c'est clair. J'ai besoin de personne parce que moi, j'ai des chiffres et je vais vous les donner. Pour expliquer ce qui marche, bien sûr, j'attendais du monde. Et bien sûr, je n'ai eu personne. Hein. Il n'y a aucun trader crypto qui n'a voulu venir, sauf, encore une fois, Fethi qui est là, qui est quelqu'un qui est professionnel, qui est dans l'ingénierie et dans le business développement trading. Et il va vous parler de comment lui fait pour pouvoir gagner de l'argent. Alors, ce que je vais faire ce soir, et on va voir effectivement mon écran, on peut voir mon écran, je vais activer l'algorithme Genius ce soir. Je vais le faire en live avec vous, si ça veut bien. Je vais l'activer et je vais activer le robot sur les cryptocurrencies. Je vais donc le désactiver sur les futurs, les commodities, les stocks, les ETF, et je vais laisser que de la crypto. Il faut savoir qu'AutoTrade Genius, c'est le premier robot algorithme de trading, plutôt que robot même d'ailleurs. Robot parce que je vous en parle depuis tout à l'heure, c'est un algorithme de trading développé en Python qui n'utilise pas MT4. Foutez-moi la paix s'il vous plaît, avec ce truc qui date des années 2000. Foutez-moi la paix s'il vous plaît, on va en parler. Crypto-monnaie, c'est parti, le robot est lancé. Alors Luc, comment est-ce qu'on peut faire? Ben là, on va avoir besoin de Mariana. Parce que Mariana, elle vous a mis en haut la Winbar. Qu'est-ce que c'est que la Winbar? La Winbar, c'est véritablement ce qu'on gagne et ce qu'on perd en temps réel. Alors, Steph, véritablement, il va falloir que tu regardes la Winbar. Parce que la Winbar, tu vas voir arriver tout un tas de notifications liées à la crypto-monnaie. C'est-à-dire que toutes les opérations que va engager Genius, tu vas les voir en live et tu vas les voir effectivement dans la Winbar. Est-ce qu'on peut me dire si tout va bien côté image? Parce que moi, j'ai du rafraîchissement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que là-haut, broadcast, on peut me dire si tout va bien? D'accord. Donc, c'est effectivement un rafraîchissement plutôt bizarre. Je vérifie que la crypto-monnaie soit bien lancée. Voilà, j'ai un petit peu de latence, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut voir mon écran? On ne le voit pas pendant que je fais ça. Tu vois pas mon écran, Mariana? C'est bon. Donc, je lance le robot sur la crypto-monnaie. Je vais même, et je vais le faire devant vous, dire que je veux voir les notifications pardon, de la crypto-monnaie sur les préférences. Voilà. Je veux voir les notifications des alertes, mais aussi des brokers. On est agressif. Tout est OK. Et on va pouvoir
utiliser Genius AutoTrade sur la cryptocurrencies et vous verrez en live ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Très bonne question de la part de Elver de Briquette. Oui, absolument, vous avez des pseudos de dingue, les gars et les filles. Oui, vous verrez les frais inside. Donc, vous allez vous apercevoir qu'il y a du gain, qu'il y a de la perte, qu'il y a les deux et que on, la plupart du temps, on finit effectivement sur un break-even ou sur un zéro et ainsi de suite. Et si je peux vous parler de cette manière-là, c'est surtout parce que le boulot que fait Genius est incommensurable par rapport effectivement au reste de ce qu'on peut proposer sur la place. Et j'avoue que ce soir, ça tombe bien, un peu ras-le-bol. Oui, Pascal, le spread et oui, Pascal, aussi le slippage, le fameux slippage. Pour le moment, en tout cas, pour une dernière fois, je vérifie que le robot soit bien lancé, qu'il soit bien activé côté crypto-monnaie par contre, sur, voilà, AutoTrade s'est lancé et s'il y a des opérations à faire, elle le fera tout simplement. Nous sommes le 7 septembre 2021. On va regarder effectivement l'algorithme Genius travailler, mais on va parler aussi de ce qui gagne et de ce qui perd. Avant toute chose, je vais vous parler d'abord de Genius qui recrute rapidement un stagiaire Big Data. Et on est en train de faire un recrutement avec certains stagiaires qui nous ont envoyé leur candidature. Un stagiaire développement web, un stagiaire développement Python C#, un stagiaire en finance de marché, un stagiaire en production audiovisuelle, un stagiaire vidéo son, un stagiaire journaliste rédactionnel, un stagiaire marketing social manager. Vous viendrez renforcer les équipes en place. N'hésitez pas à envoyer vos candidatures à info@traderalert.com, tout simplement. Vous serez rattaché, bien sûr, aux équipes en place. Et si l'expérience est concluante, on traduira votre stage en CDI à Barcelone, que c'est chouette de vivre dans le sud de l'Europe. Ça, c'est clair. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à faire venir, en tout cas, les personnes qui sont dubitatives, celles qui croient ou ne croient pas à la cryptocurrencies, au principe du trading automatique. N'hésitez pas, effectivement, à les faire venir. On va leur montrer ce qu'on sait faire et on va véritablement leur montrer ce que le robot est capable de générer. On parle, encore une fois, d'algorithmes de trading. On parle de Genius IA. D'ailleurs, l'application mobile V3 Genius est la première au monde à détenir un algorithme dans sa plateforme de trading. Je vous rappelle que Genius est désormais plateforme de trading. Très important. Restez bien avec moi si vous êtes intéressé. Voilà, ça commence. Certaines opérations arrivent. Alors, ce n'est pas encore de la crypto. Il y a du Chava USDT. Je ne sais pas si vous le voyez en live. On peut voir, tenez, je vous montre comment ça arrive. Est-ce qu'on peut voir mon écran, Mariana? Regardez comment ça arrive. Voilà comment ça arrive. Il y a du OMG USDT, du Acro USDT, du FLM. Est-ce qu'on peut voir mon écran, Mariana, s'il te plaît? Du YFII USDT. Moi, je vois toujours pas mon écran. Je dois avoir de la latence. Ah, Mariana qui râle. Qu'est-ce qu'il y a, Mariana? On ne voit quoi? Je n'entends pas. Articule, s'il te plaît, Mariana. On le voit très petit. Donc, on va le voir beaucoup plus grand. Regarde. Voilà, ici BAT USDT le temps que ça se rafraîchisse, BTS USDT, je ne sais pas si vous voyez toutes les notifs ici, ça prend un petit peu le temps pour rafraîchir, c'est pas grave, on a le temps. Et là, ça déboule, on est à 2482, ce qui veut dire que là, on a déjà des opérations qui passent. Regarde-les, elles sont là, ces opérations. Elles sont juste devant toi, ça prend un petit peu de temps, ça rafraîchit. Ici, effectivement, XRP et ainsi de suite, nous sommes à 2482. Retenez bien le chiffre, parce que vous allez voir qu'on a du mal à tenir cette somme-là. On a déjà pris 300 euros en crypto, en live, je répète, en live, je répète, en live, je répète, en live. Le temps, effectivement, voilà, de vous rafraîchir la page. Et la crypto, normalement, on devrait avoir... En tout cas, un rafraîchissement, c'est un petit peu long. C'est vrai que c'est en petit, Mariana a raison, mais vous voyez ici, en tout cas, la Winbar progressait à 2482 live et vous voyez toutes les notifications alpha, alpha, LRC. Alors, c'est pas au hasard, je vais être franc avec vous, c'est pas au hasard si je vous montre ça ce soir. On a eu un décroché boulet, Wamashigeri coup de pied circulaire, tout l'après-midi sur
la cryptocurrencies. Et j'aurais pu vous dire ce matin ce qu'allait se passer. Non pas que je sois médium, non pas que je sois véritablement un expert de la, du mode divinatoire, mais l'expérience me fait dire qu'à partir du moment où les médias ensemble, à l'unisson, vous parlent de la cryptocurrencies en disant que c'est l'avenir, tu peux être sûr que ça va se péter la figure. Je vais t'expliquer pourquoi encore une fois. Vous voyez toutes ces alertes qui arrivent, je vais les déconnecter parce que ça me bouffe de la bande passante et bien sûr, je vais avoir du mal à continuer si je ne peux pas les déconnecter. Ah, Genius envoie des kilos, ça c'est clair. La V3 Louisa est dispo, tu peux l'avoir d'ores et déjà. 2 482 € pour le moment. Je vous ai dit, nous sommes en live. Je vais vous parler bien sûr de donc, cette Genius Station Trading, donc Genius Trading Station. Vous pouvez la trouver sur le Google Play, App V3, iOS pour l'instant, on patiente jusqu'à la fin de semaine. La première trading plateforme pour mobile avec intelligence artificielle. L'algorithme Genius est dans l'app Genius, il est pilotable, customisable depuis l'app. Le trading est donc manuel, semi-automatique ou 100% automatique. Oui, mais on va en parler, restez avec nous. Vous allez voir que le trading automatique fonctionne parfaitement bien sur les actions, on a des résultats assez impressionnants. Ça fonctionne aussi parfaitement bien sur les ETF, sur les bonds, sur les futures, puisque Genius sait absolument tout travailler. Mais pour ce qui est de la crypto, encore une fois, patience, patience, ça n'arrête pas, hein. Ça déboule en permanence. Regardez bien la win, on devrait avoir des scores qui vont très très vite. Allez, je vais enlever ces notifications parce que sinon on n'arrivera pas à travailler tellement il y en a. Il y a beaucoup, hein. Vous pouvez sélectionner les majors, les mineurs, les exotiques, tout ça c'est dedans. Voilà, juste le temps de shooter ces notifs et on va pouvoir effectivement bosser encore quelques instants. Voilà, les ça n'arrête pas. Hein. AVAX, IOST, si vous avez Genius, si vous avez l'app, je peux vous garantir que vous devez voir tout ça, c'est impressionnant. Voilà, on continue en attendant. Je vais vous montrer les statistiques de crypto sur un an, si vous voulez bien. Je vais vous montrer les statistiques de crypto en particulier, mais bien surtout sur un an, le temps de pouvoir les afficher. Ah bah là, j'ai lancé le système, j'aurais peut-être pas dû. Là, ça tourne à plein tube. Le temps, effectivement, de voir arriver ces statistiques. Voilà, il faudrait maintenant que ça se calme un petit peu. Ça n'arrête pas. Hein. Pour l'instant, on est bloqué à 2482. Genius qui envoie énormément d'opérations. Soyez patient encore quelques instants et ça devrait pouvoir le faire. Voilà, ça n'arrête pas. C'est, combien d'opérations? 20, 30, 40, 50 à la minute. Ça n'arrête pas. On va voir les statistiques. Dès que je peux vous les montrer, on verra les statistiques sur un an. Je vais aussi vous parler d'une offre qu'on va faire ce soir uniquement pendant l'émission. Uniquement pendant l'émission. On est tellement sûr des résultats qu'on annonce, on est tellement sûr qu'avec Genius, vous allez gagner effectivement, qu'on va vous proposer un deal ce soir. On vous propose un deal. Tu t'abonnes, tu choisis l'abonnement que tu veux, c'est pas un problème. Soit on gagne dans les premiers open que tu fais avec nous, soit l'européen, soit l'américain, soit on gagne devant toi en live, bien évidemment, et dans ce cas-là, ça roule, tu continues à être abonné, soit on perd, et dans ce cas-là, on t'offre le doublement de ton abonnement. C'est pas compliqué. Soit on gagne, et dans ce cas-là, effectivement, il n'y a rien à dire, on continue. Soit on perd, et dans ce cas-là, on te double ton abonnement. Voilà, comme ça au moins, c'est réglé. Dans le contenu de l'émission, on va parler bien sûr de ce Bitcoin. Alors avant de vous montrer les statistiques, parce que ça prend un peu le temps avec toutes ces opérations qui sont lancées, il faut savoir, est-ce qu'elle se rafraîchit bien ta Winbar là-haut, Mariana, s'il te plaît? Parce que là, elle devrait bouger plus que ça. Elle bouge pas beaucoup, ta Winbar. Elle devrait bouger en tout cas un petit peu plus que ça. Vérifie s'il te plaît, Mariana. Merci beaucoup. On va parler d'abord du Bitcoin. Alors, on va faire son historique rapidement du Bitcoin. Je ne vais pas vous raconter l'origine, j'en ai rien à foutre. Je ne vais pas vous raconter qui l'a créé, j'en ai rien à foutre. Je ne vais pas vous raconter la selling story qui est à côté, je m'en fous. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, par contre, c'est de savoir que le Bitcoin, c'est 5 000 $ en 2017. C'est 13 750 $ en 2018. C'est 3 000 $ en 2019. C'est 11 000 $ en juillet 2019. C'est 60 000 $ en 2021 et 35 000 $ en 2021. Et aujourd'hui, nous sommes le 7 septembre 2021. Le Bitcoin vient de passer de 53 000 à, vous êtes prêts,
$43 000. Alors, pour ceux qui ne comprendraient pas le côté arnaque de la truc, en définitive, il s'agit simplement d'un produit complètement explosif sur lequel il est impossible d'avoir un métier. Tous les gens qui vous racontent des salades, je vous garantis que ces gens-là ne gagnent pas d'argent sur les cryptos réellement. C'est clair, c'est absolument clair. J'ai les statistiques. Alors, le temps que ça se mette à jour, j'ai les statistiques. Je vais prendre les statistiques à l'année, si vous me le permettez. Frais Inside, Slippage Inside. Ouais, elle bouge pas là, Win Mariana, il y a un problème là-haut. Alors, il y a un problème là-haut, elle bouge pas là, Win. Il y a eu des opérations de passé, on va regarder, mais ça devrait être rafraîchi beaucoup plus rapidement que ça. Je vais vous montrer les statistiques, si on peut voir mon écran, Mariana, s'il te plaît. C'est parti. On va d'abord regarder la journée, comme ça au moins c'est réglé. La journée, on a fait 46 opérations, on a passé 48 minutes par opération, 2h32 de trading dans la journée, et on a fait 7h25 d'émission live. 85,71% des abonnés déclare réaliser des gains avec les stratégies du logiciel GenuStation. Donc c'est déjà pas mal, 85% d'abonnés qui disent qu'ils gagnent, c'est plutôt sympa. 57% déclarent réaliser plus de 30 points ou ticks par jour. Il faut savoir que parmi nos clients, il y a la plupart sont entre 5, 10, 15 et j'ai même des clients à 500 euros le tick. Et quand tu vois qu'il y en a certains qui déclarent plus de 30 ticks par jour, tu te dis que véritablement c'est génial. J'ai Yann qui me dit, Luc, est-ce que tu as vu la descente du YM Today? Je vais te dire un truc, Yann, et je suis certain que la première des réactions que tu vas avoir, c'est de dire, le gars, c'est un mytho. En gros, le YM, je te l'ai donné vendeur à 11h. Grâce à quoi? Aux actions. Le pré-market côté actions donnait le YM vendeur. Si jamais les gars, les abonnés de Genus, vous êtes dans le chat, n'hésitez pas à véritablement le mettre dans le chat. À 11h, je donnais le dos vendeur. À 15h, effectivement, 30, je disais qu'il fallait shorter le dos à toute rafale et interdiction de vendre. La plupart de ceux qui m'ont suivi ont fait plus de 30 points, 57,14%. 14,29 réalise plus de 10 points par jour. 14,29 déclare perdre. 14,29 déclare plus de 20 points par jour. Et le reste, 0 absent et 0 moins de 10 points. Comme ça, au moins, c'est assez hétérogène. Vous pouvez absolument regarder en replay rendez-vous action. Je le donnais à 11h, à 14h30 et je vais même aller au-delà. Je vais vous dire clairement, j'interdisais quoi que ce soit sur le Nasdaq et le Russell en attendant que le dos se casse la figure. Alors, j'ai un problème de caméra. Est-ce qu'on peut m'enlever la caméra qui est là, s'il vous plaît? Elle me cache. Ne bougez pas, je vais me débrouiller. Ayoub qui me dit, tu m'étonnes, le marché action et indiciel monte, les gros se rattrapent sur les cryptos. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. On en parlera tout de suite après. C'est bon, Mariana, te casse pas la tête, ça va aller, t'embête pas. Je vais vous parler surtout de la journée, résultat des opérations de la Genus. Les ETF ici, 0,37, quasiment rien. Les currencies, 6E, 6B, 6C, 23 points. Les commodities, 11,3. Pour l'instant, crypto, on n'a rien engagé, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Les indices, 54,48. Les futurs, 57. Les stocks, 14,2%. Et le forex, 8,65. Tout ça est full automatique. Il faut le voir pour le croire. Tu me crois pas? Abonne-toi, c'est pas compliqué. Si tu gagnes pas dans le premier open, on double ton abonnement. Comme ça, au moins, c'est réglé. Dans le détail des opérations, il y a 12 opérations, en tout cas, perdantes. Il y a 34 opérations gagnantes et 5 à valider. On va regarder maintenant à l'année, si vous me le permettez. On va regarder à l'année. La crypto-monnaie à l'année, les résultats sont pas mal, hein, il faut être honnête, mais pas tout à fait vrai. Écoutez bien, 98 effectivement points sur la crypto. Alors, ce n'est pas des points, en l'occurrence, c'est des pourcentages. 98% de capital gagné en crypto. Oui, mais ces résultats sont propres à un broker. Un seul broker. Et comme la crypto-monnaie n'est pas un produit régulé, je répète, comme la crypto-monnaie n'est pas un produit régulé, en définitive, ta crypto, tu peux perdre. Quand d'autres font 100% du capital, toi, tu perds. Absolument,
tu perds. Et c'est ça qui est fondamental à comprendre. On a fait des scores sur la crypto, mais certains gagnaient, ils ont doublé le capital et c'est réel, clin d'œil à Stéphane, et certains perdaient. À chaque fois que certains gagnaient, certains effectivement perdaient. C'est un peu la logique du jeu à somme nulle, on en parlera tout à l'heure, voilà pour les stats. Et j'en veux énormément aux exchanges. J'en veux énormément aux exchanges. Et si vous faites de la crypto trading, vous savez que tout a changé, je dis bien, tout a changé à partir du moment où on a eu ces grosses chutes, ces grosses baisses avant l'été dernier. Il y a eu de gros cracks effectivement sur la crypto. C'est pas compliqué, les API ont planté, les exchanges n'étaient plus joignables et depuis cette date, tous les algos ont été revus. C'est algo contre algo et aujourd'hui, quoi qu'il arrive, même si l'algo gagne, toi, tu perds. Vic qui nous dit, Luc, j'ai fait découvrir la Genius Station à un ami trader, il approuve et a trouvé ça assez sensationnel. Attends, t'as pas tout vu, je te garantis que c'est juste énorme. Entre les frais, les liquidités séparées, les mouvements erratiques et non précis, absolument Axel. On continue. En tout cas, je vous précise encore une fois qu'aujourd'hui, on est passé de 53 000 à 43 000. Et si vous avez regardé les actualités, je vais vous le faire comme ce matin, je l'ai fait dans Hello Trader. Attention, aujourd'hui, le crypto devrait exploser. Non, je me marre. Ah oui, bah pourquoi ? Parce que le Salvador vient d'autoriser la monnaie comme étant une monnaie changeable dans son pays. Et là, un blanc. Oh, le Salvador. Allô ? Le Salvador, c'est pas la Chine, c'est pas les États-Unis, c'est pas la Suisse, c'est pas le Luxembourg. Le Salvador, allô, Henri Salvador, salade de fruits. Ben oui, absolument. Comment tu veux croire que le Bitcoin peut monter avec le Salvador? Faut arrêter les conneries. Et ça, c'est ce que je disais ce matin. Et j'explique aux gens qui me regardent tous les jours à 8h30, je leur dis, je vais vous faire le tri entre ce qui schlingue et ce qui va marcher. Et la plupart du temps, les gens qui me connaissent savent qu'on arrive à décrypter l'économie comme ça. Alors, pour ceux qui ne comprendraient pas, quand on passe de 53 000 à 43 000 euros, en fonction effectivement de l'effet de levier que tu as choisi, parce que tout le monde t'incite à prendre de l'effet de levier, et en fonction du capital et de la taille de position que tu as engagé, surtout si tu es sur les marchés futurs crypto, comme sur Binance ou d'autres, en définitive, tu viens de te gameler 10 000, 15 000, 30 000, 40 000, tu as perdu effectivement, tu as perdu un gros morceau. Oui, mais Luc, tout le monde n'a pas perdu, c'est vrai. Mais pour un qui gagne, t'en as combien qui perdent? Et c'est pour ça que je suis mauvais. Alors, ton max drawdown, qu'est-ce que c'est que le max drawdown? Le max drawdown, c'est ce que tu perds par rapport à ce que tu gagnes. Et quand tu fais le calcul de ton max drawdown, parce que ça, c'est notre étalon à nous des traders. C'est-à-dire que le mec peut venir te voir, il vient te voir et te dit « Ouais, moi, tu sais, je suis le meilleur trader au monde. » Comme l'espèce d'abruti en Andorre, là. Là, le gros, là, celui qui, effectivement, se la raconte. Le mec en Andorre « Ouais, moi, je suis le meilleur trader au monde. » Tu vois, je ferme les yeux un peu parce que je me sens plus. « Ah, je t'ai fait planter 300 000 euros. Ah, je vais te les rembourser. » Ouais, j'ai appris que c'était un sacré mythomane et j'ai appris aussi qu'il me faisait chier tout ce qu'il pouvait, le gros d'Andorre, là, qui bouffe des raisins secs. Je continue. Il y a aussi, effectivement, le max drawdown de manière générale. Si tu perds 30 000 pour gagner 300, t'es un loser, garçon. Alors, évidemment, tu montes 300 et tu le montres le week-end, mais tu montes pas, effectivement, les 30 000 que t'as perdu juste avant. Ça, c'est la première chose. Alors, la première chose, déjà, il faut le savoir, c'est d'abord que la crypto est un produit étrange. On le savait, mais là encore plus qu'avant. La crypto est un produit étrange. Cette crypto qui est un produit étrange, elle est surtout manipulable pour les gogos et les arnaqueurs. C'est un produit d'arnaqueur. Je vous le dis, c'est clair. Maintenant, c'est définitif. La crypto trading, tous ceux qui font la promo du crypto trading, c'est à mon sens de l'arnaque pure et dure. J'en suis le témoin vivant et je t'emmène avec moi si tu veux. La crypto, c'est toujours pas régulé, hein. Ah bah non, on te l'a promis, on te l'a juré, on te l'a craché, sauf pour le futur. C'est vrai, c'est toujours pas un actif la crypto. C'est toujours pas un actif la crypto. C'est quoi? Bah c'est un bout de truc qu'un exchange te balance et qui va effectivement te vendre contre une autre monnaie. Ah bah souvent la monnaie d'ailleurs n'existe pas non plus. L'USDT. Ça existe où, l'USDT? Tu vas acheter, toi, chez Apple Store avec de l'USDT, t'as vu ça où? Donc, en fait, tu vas voir le truc énorme. Reste avec moi. C'est pas une monnaie convertible au sens propre du terme. Faut arrêter les conneries. Le Bitcoin n'est pas une monnaie convertible. J'ai fait, il y a 4 ans, une émission avec un mec qui clame partout qu'il est millionnaire, milliardaire. Il passe même sur la télé câblée et la TNT. Et le mec, il te dit, ouais, convertible. Et manque de bol, en 2018, j'allais au Japon. Il m'a dit, ouais,
Japon, tout le monde fait du Bitcoin. Mais c'est de la connerie. Ils sont quasiment tous en train de l'interdire, ta crypto-monnaie. On fait pas de transactions dans le monde réel avec du Bitcoin. Arrêtez de les croire. Arrêtez de les croire. On ne fait pas de transactions en Bitcoin. Les seules petites transactions qu'on a vues en Bitcoin, c'est de la merde. Point barre. Alors, cette crypto, qui gagne ? Bah, les exchanges, les émetteurs de crypto, ou alors les tokens, les gens qui influencent, comme Musk. Les exchanges, ils jouent avec le spread et le slippage. C'est leur marché. Ils trafiquent tout. Si véritablement vous doutez, vous passez une journée avec moi sur mon compte réel de Binance. Je vais gagner 1000 euros avec 50 balles. Et je vais perdre 1250 balles juste après. Voilà, c'est ça le Bitcoin, il n'y a pas autre chose. Alors Luc, comment ça peut se faire ? Bah, ça se fait tout simplement que quand tu achètes et que tu gagnes, bah, tu as un slippage de 1 ou 2 tics maximum. Mais par contre, quand tu as bien gagné et que tu veux continuer, là, ton broker te fait aller en bas de la tendance et ne t'exécute pas avant. Même quand tu l'as programmé. Hein. Même quand tu l'as programmé. Hein. En fait, le temps de réponse de ton ordre manuel, de ton ordre programmé, de ton algorithme, tout est manipulé par l'exchange. Tu ne me crois pas ? Si tu as un algorithme développé en Python ou ce que tu veux, tu sais que tu reçois régulièrement des newsletters d'exchange qui te disent bah, ton algorithme, il faudra qu'il attende une minute avant d'envoyer son ordre. 10 secondes, 15 secondes, on rajoute 10 millisecondes, on reçoit ces notifications tout le temps. Tu ne peux pas gagner, c'est impossible. Alors je sais que je vais me faire pourrir, mais je m'en fous. Et tous les mecs qui m'emmerdent, eh ben moi aussi, je vous emmerde. Voilà, point barre. Je m'en fous. Moi, votre crypto, je reçois des gens tous les jours au téléphone, soit qui me racontent des bobards, soit qui effectivement se font avoir. Donc maintenant, merde, il y en a marre. Il n'y a aucun robot qui offre du rendement régulier sur crypto. Mettez-vous-le en tête. Arrêtez de croire des mecs sur la télé câblée. Le jour où la direction des protections de population va leur tomber sur la tronche, vous allez voir que ça va leur faire du mal. Parce qu'ils font de la publicité, ils mettent en avant des cryptos, ils sont payés avec de l'affiliation, mais ils ne traitent pas, point bas. Il n'y a aucun robot qui gagne sur la crypto. Il n'y a aucun robot qui gagne sur la crypto. J'en veux pour preuve que je les ai tous invités, ils ne sont pas venus. D'accord ? Donc, faut arrêter. Et c'est pas parce que tu connais le gars depuis 3 ans qu'il est sur YouTube et qu'il te fait rêver que tu dois le croire et que tu dois acheter un truc qui s'appelle Bonaparte. Arrête. Il n'y a aucun robot qui te fait gagner. Le dernier robot que j'ai vu qui promettait 10% par mois, c'est une société indienne. Tu verses son argent sur son wallet et tu trades avec un broker blacklisté par l'AMF. Mais putain, mais qu'est-ce que vous foutez, les autorités ? Vous faites quoi, les autorités ? Comment on fait quoi ? Vous faites quoi ? Les mecs continuent à faire ce qu'ils veulent. Et pire, ça porte en plus le nom d'autotrade. Ah bah, il faut pomper. Ah bah, il faut pomper. Luc a sorti autotrade, on pompe, on appelle ça autotrade. Ça marche, la copie. En ce moment, j'ai jamais vu autant de placements à la Ponzi. Il y en a même qui disent « Ah ouais, je suis au courant, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. » Bah oui, tu m'étonnes. Mais comment je le vois ? Mais vous m'appelez ! Vous appelez Charlotte, vous appelez le staff, vous m'appelez et vous me dites « Luc, moi, sur mon robot, je gagne 10%. » Alors moi, tu commences à me connaître. Qu'est-ce que je leur réponds ? « Mais pourquoi tu m'appelles ? Mais si tu gagnes 10% par mois, mais putain, mais emprunte un million, va sur la plage et puis éclate-toi. T'en as rien à foutre de Genius Station. » Nous, on se marre dans Genius. Nous, quand ils arrivent, on se marre. Parce qu'on sait très bien ce que c'est que le trading et on connaît même la récurrence des gains en fonction des horaires. On parle de moments et on parle de temps. Et ça, c'est super important. Alors, vous êtes 80% à nous dire, moi, je gagne super bien ma vie. Et puis quand on creuse, bah, en fait, vous la gagnez pas tant que ça avec ces putains de robots. Alors, 10% de return par mois, de return, c'est toujours ce qu'on vous propose. Ah oui, mais Luc, je peux retirer que 20% de mes gains tous les mois. Mais c'est quoi cette fable de La Fontaine ? C'est quoi cette connerie ? Mais t'as pas compris qu'ils se foutent de ta gueule ? Alors c'est vrai que ça vaut 20 balles par mois. Ça, on peut pas leur enlever. Ça vaut 20 balles par mois. Genius vaut 200 balles par semaine. Eux, ils valent 20 balles par mois. Mais même 10 balles, 5 balles, c'est pas crédible. T'es en train de leur filer ton blé. Plus tu vas leur donner ton blé, et plus leur cours va augmenter. Le jour où tu dégages, tout se casse la gueule. Tu me crois pas ? Reste avec moi, je vais t'expliquer. En gros, en tout cas,
Genius n'a rien du tout à voir avec ces purées de robots. Les gains sont réels. Ils sont faits en live. Et il y a une notion, écoutez bien, parce que ça, il faut que je vous le dise. Il y a une notion super importante chez Genius. Il y a un truc fondamentalement important chez Genius. C'est que quand tu gagnes de l'argent, tu peux le retirer instantanément. 100% de ton pognon, c'est pas chez nous qu'il est, c'est chez un broker régulé. Donc si tu as envie de sortir ton blé l'après-midi, le soir ou même dans une heure, tu fais ce que tu veux. Tu n'iras pas effectivement chez nous, tout simplement. Tu as Genius Station, tu gagnes de l'argent, tu retires le soir et tu es d'accord. Et c'est pas Christophe qui dira le contraire. Christophe, je vais vous dire un truc, vous allez encore me traiter de mytho, mais Christophe, il prend entre 5 et 10 000 en ce moment par semaine. 5 et 10 000 par semaine. S'il était là, il vous dirait non, c'est par jour. J'espère qu'il l'a. Bon, bref, on revient au trading des cryptos. Je vais parler, de notre lead développeur. Il est sûrement dans le chat. Il s'appelle Julien. On l'adore. Il a vu les performances de Genius. Il connaît le prix de Genius. Il a donc testé lui aussi les robots à 10 balles, les Bonaparte de je sais pas quoi, les Spider-Man, Wonder Woman. Est-ce que tu veux à 10 balles? Et texto, Dixit, il est revenu me voir en me disant, Luc, c'est de la grosse merde ce truc. Texto. Mais bien sûr, ça ne vaut rien. Et c'est là où ça ne va pas. Les mecs qui font la promo, encore une fois, de ces putains de robots Bonaparte, est-ce que tu veux, et autres foutaises, pourquoi ils sont pas là ce soir? Pourquoi ils m'appellent pas? Pourquoi ils essayent pas d'être dans l'émission? C'est quoi, ils me snobent? Il y a quoi? Moi, je suis moins bien que toi, parce que je fais pas parler des graphiques avec 85 indicateurs techniques, mais moi, ma vie, je la gagne sur les marchés, garçon. Moi, je la gagne pas parce que je passe sur ITV ou machin, ce que tu veux. Moi, je te raconte pas de l'histoire de merde. Ta crypto, elle vaut rien. Si t'es capable de me démontrer le contraire, montre et je te fais la promo de ton robot. Ton robot, il vaut rien. Il n'y a pas un robot qui vaut quoi que ce soit. Et arrêtez de m'emmerder avec vos 10% par mois. Parce que ça, c'est ce que vous lisez dans la pub. Ah, je fais 10% par mois, mais je peux retirer que 20%. Merde. Voilà. Arrêtez vos conneries. Soyez, il y a un moment, vous n'êtes même plus crédibles, les gars. Vous m'appelez, vous me racontez n'importe quoi. Mais vous me prenez pour un gamin maternel ou quoi? Comme je leur dis, mais qu'est-ce que tu veux venir chez moi? Tu gagnes 10% par mois, qu'est-ce que tu t'emmerdes? T'appuies sur on le matin, t'appuies sur off le soir, et tu gagnes 10%, mais c'est pas moi. Moi, je te les garantirai jamais, moi, ces 10% sur la crypto. Absolument jamais. Mais c'est comme ça, point bas. Alors, d'ailleurs, j'aimerais bien voir la Win bouger, mais elle bouge pas pour l'instant, la Win. Je sais pas dire pourquoi. Je vérifierai juste avant d'avoir Fétier avec nous dans l'émission. Je vous rappelle que d'ici 5 minutes, on va avoir un vrai opérateur sur CryptoCurrencies. Rien à voir avec la crypto tout court, hein, qui est un modèle, en fait, d'opération technique, ce qui n'a rien à voir. Je vous parle de la CryptoCurrencies et du trading via les plateformes que vous connaissez, Binance, Crypto.com, et tous ces trucs-là. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter, s'il vous plaît. Arrêtez. On se marre, on en rigole, on se tape sur le ventre, d'accord, mais on arrête. Et puis arrêtez de me croire les analyses à midi ou à 11h, d'accord. Arrêtez de me croire que le mec qui fait l'analyse de son graphique, excuse-moi, à 11h tout à l'heure, t'étais à 52 000, à 16h, t'es à 42 000. Merde, à la fin. Alors arrête de filer ton blé. Mais Luc, pourquoi tu t'emportes? Tu t'en fous, c'est pas le tien. C'est vrai, mais dans ce cas-là, vous m'appelez pas, d'accord? Dans ce cas-là, vous venez pas me dire, Luc, tu peux me filer un peu, s'il te plaît, de la Genius? J'ai besoin de remonter mon capital. Ah, j'en ai 10 par jour, des comme ça. Mais ça va pas ou quoi? Et alors, les gens qui payent la Genius Station, ils font quoi, eux? Ils font comme vous, ils appellent, ils chialent. Les mecs, vous êtes fait rincer, vous payez comme les autres. Point bas. Chez nous, on gagne. Et en live. Et tout le monde peut en attester, ça c'est clair. Alors, là où ça va pas, en fait, pourquoi ils viennent pas en live? Pourquoi on ne les voit pas? Certains passent leur temps à faire des analyses sur des TV. Vous savez ce que je pense de l'analyse technique avec des indicateurs. D'autres vous bassinent avec leur explication sur les marchés de la semaine dernière. Il y en a un encore là qui passe pareil sur les chaînes machin. Le mec, il est en train d'envoyer sur LinkedIn des analyses de la semaine dernière pour expliquer le consensus industriel dit triphasé des fourmis en Afrique du Nord sur le Bitcoin. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de ton analyse. Fais-moi rêver, fais-moi kiffer, mets-moi du jus. Que ça puisse exploser, quoi. Quand tu me dis, Luc, je sais faire, tu te mets à côté de moi, moi, je te suis, et tu me fais gagner 100 balles, 200 balles, 1000 balles, 2000 balles. Allez, faut, comme dirait Jean-Claude, faut que ça swing dans mon éminence, quoi. Merde, à la fin. Mais là, ça swing jamais. Bonjour, alors... ici, la chaîne TV crypto machin, on va faire l'analyse du Bitcoin de la semaine dernière. Il semblerait que vu RSI, chouchoukou, si stochastique, momentum, moyenne mobile et tout ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Et ben voilà, et ben ça termine toujours comme ça, ça c'est clair. En tout cas, d'autres continuent à vous balader avec leurs vidéos du week-end, mais tout ça, ça fonctionne pas, merde. Et franchement, mais arrêtez. J'ai
perdu des sous, Luc, t'es en colère. Alors, j'ai perdu des sous. Comment faire ? Aujourd'hui, en fait, il faut vous expliquer. C'est que chez les Genius, on est quand même des sacrés compétiteurs. Et quand on fait de la compétition, on se fixe des objectifs. Alors, c'est vrai qu'on y a une inconnue dans l'équation. On ne sait pas si le marché va nous la donner ou pas. Je vais te remontrer encore la Winbar. 2 482 €. J'ai perdu quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je perde, simplement ? Qu'est-ce que... Non, non, non et non. Ça arrive de perdre. Mais c'est fini les journées perdantes. Terminé. Ça arrive de perdre. Mais fini les journées perdantes. Terminé. On peut plus miser sur des journées perdantes. Alors, il y a des fois où c'est chiant. Ouais, c'est vrai. Il y a des fois où c'est plutôt pénible, où c'est plutôt chiant. C'est vrai. Aujourd'hui, on monte rapidement. Tiens, en 2-2, s'il te plaît, Mariana. On va leur monter très, très vite. Est-ce qu'on peut voir mon écran ? Aujourd'hui, c'est 426,96, 235 et 530 balles, 1191,00. Voilà, c'est pas compliqué. Au moins maintenant, t'as mon écran et c'est réglé. Merci Mariana, on revient sur moi. On continue. Alors, je vais vous faire rire avant de passer la parole à Féti. Je vais dire un truc que les puristes ne vont pas accepter du tout. Je vous le dis, les puristes ne vont pas aimer du tout. Le trading, c'est un jeu à somme nulle. Quand tu perds, un mec gagne. Il gagne ton pognon. Alors, je me suis frité avec un mec une fois parce qu'il ne savait pas ce que c'était que le général et le spécifique. Quand tu perds, le mec prend ton blé. Ah bah, Elon Musk, s'il a pris 1 milliard en un mois, il les a pris à quelqu'un. Hein. Il n'a pas trouvé la machine à changer l'argent en or. Ça, c'est clair. Tu ne te demandes pas pourquoi l'exchange gagne. Pourquoi l'exchange, tiens d'ailleurs, vous qui savez les contraintes d'un trader, pourquoi ils n'ont pas les mêmes contraintes que les brokers ? Pourquoi ils n'ont pas les mêmes... Mais attends, mais c'est un truc. Tiens, regarde, on se fait 5 minutes de télé-réalité. Écoute, le trading, c'est un jeu à somme nulle. On le sait, il y a plus de traders qui perdent qu'ils gagnent. Même quand tu regardes les brokers, les pages effectivement de garde du site web des brokers, alors je peux te dire que tous ceux qui sont Israël, Malte, Chypre, machin, ils trafiquent, ça c'est sûr. Hein. En dessous, le résultat n'est pas juste. Par contre, quand tu as affiché 75% de comptes perdants, parce qu'ils sont obligés de le faire avec la nouvelle réglementation de l'ESMA, tu sais que tu en as 99 qui perdent. Alors le copy trading, selon les sources AMF, 99% perdent de l'argent, je te le dis, ça c'est clair. Donc t'imagines le 1%, ce que ramasse le 1%. C'est pour ça qu'on fait des scores assez incroyables. Alors, ce que je veux dire, c'est pourquoi les exchanges crypto, ils mettent pas combien il y a de comptes perdants ? Pourquoi ils ne doivent pas le mettre, eux ? Pourquoi on ne voit pas sur leur page de garde ? Et pourquoi c'est pas vérifié par l'AMF, la Banque de France, la BCE ? Pourquoi on ne voit pas le nombre de comptes perdants sur la home de ces exchanges ? Pourquoi ? Et j'invite n'importe quel exchange à avoir un droit de réponse sur mon plateau. J'invite n'importe quel... Mais voyez, le problème, c'est ça. C'est qu'on est bâché. TV for Money. J'ai créé cette télé il y a 4 ou 5 ans. C'était fabuleux. Ils nous ont bâché. Pas le droit de parler. Vous êtes à peine une centaine ce soir. Vous devriez être 10, 15, 20, 30, 40 000. Vous voulez que je vous parle de quoi ? Comme le chèvre de Dubaï, de Meg Ryan, je sais pas quoi, ou de... Mais arrêtez les conneries. C'est TV for Money que vous devez pousser et partager. Vous devez dire effectivement aux gens, regarde la télé for Money. Regarde, ils disent la vérité. Regarde le mec quand il te dit qu'il a engagé des opérations. Il te montre son compte, il est avec toi en live, il te fait gagner. Parce que son compte, t'en as rien à foutre, c'est le tien qui t'intéresse. Bah oui, si toi tu gagnes, ça marche. Si tu gagnes pas, bah, il y a un blème. Alors on continue. Pourquoi il n'y a pas ces purées de comptes perdants sur la home des exchanges ? Pourquoi ils ne le disent pas ? Pourquoi il n'y a pas les précautions d'usage ? Pourquoi ils n'y sont pas ? Et puis encore autre chose. Les Américains, ils ont interdit les robots il y a maintenant à peu près 10 ans. Il n'y a aucun robot Forex aux États-Unis. C'est strictement interdit. Pourquoi vous, les franchouillards, les fraudes, les Européens, pourquoi vous achetez encore du robot ? Parce que ça vous fait rêver à 10 balles ? Parce que ça vous fait rêver à 20 balles ? Parce que quand on parle de MT4, parce que quand on parle effectivement de MetaTrader, t'as le nez en l'air et puis tu te sens voler. Mais vous allez comprendre qu'ils se foutent de votre gueule, sincèrement.
Est-ce que vous allez finir par le comprendre? Est-ce que vous allez prendre votre destin en main, votre portefeuille en main, venir vous abonner chez Genius Station et commencer à réussir à prendre le boulot? Merde! C'est pas possible ça quand même. Ça fait 1000 ans que je le dis ce truc-là. Et les gens m'appellent encore tout à l'heure. Luc, je prends 9% par jour. Non, pardon, 2%. Non, 1%. Automatique. Mais tu viens faire quoi chez moi? Moi, tu crois que je vais te donner 9% par jour? Mais jamais je te les donne, moi, les 9%. Soit t'es capable et tu les attrapes, soit t'es pas capable, tant pis pour toi. Et puis, point barre. Alors, il y a encore un truc. Donc, les robots sont interdits aux États-Unis, au Canada. Les CFD sont interdits au Canada, en Belgique et aux États-Unis. Et c'est vrai que en Europe, on a le droit. Il n'y a aucun problème. Alors, il y a une dernière chose, parce que Fétis s'impatiente et il a raison, et je m'en excuse auprès de lui, mais j'avais besoin de vous dire toutes ces choses-là. Alors, il y en a un qui va tout balancer. Ah, il y en a un qui va tout balancer. Ah, il y en a un, il va tout dire. Alors lui, je peux te dire que ça va être show the night. Parce que quand il va commencer à l'ouvrir, il n'y en a pas un qui va piper. Tu sais que je t'ai parlé des brokers à zéro frais de transaction. Je t'ai expliqué qu'en finance surtout, ça n'existe pas le zéro. Le zéro frais n'existe pas. Alors, lui, je vais te dire, il s'appelle très simplement... Il s'appelle, alors, parce que je ne le connais pas par cœur, Gensler. C'est le président de la SEC. La SEC, c'est l'autorité de contrôle, bien sûr, aux États-Unis. Et il a dit, j'envisage de divulguer toutes les petites informations des entreprises cotées pour freiner la consolidation. En gros, il va tout balancer et surtout, il va interdire le modèle économique à 0 € de transaction. Ça ne te rappelle rien? Reddit, Robinhood, GameStop. Hein, quand il y en a qui ramassent, qui te font croire qu'ils sont bons samaritains, je te dis, comme le gros là en Andorre, qui veut aider tout le monde et qui plane sur une planche de surf à 10 mètres du sol, qui en définitive est un arnaqueur de première classe, tu t'aperçois que réellement, il y a un truc qui ne va pas, il y a une couille dans le potage. Eh bien, le directeur de la SEC dit qu'il va tout balancer et il va interdire ça. Bravo. En tout cas, c'est génial. Alors, on continue. Pour finir, très vite, Féti, que je récupère tout de suite d'ailleurs, je vais l'appeler comme ça il sera avec nous. J'en ai encore pour 2 minutes et après il n'y a que lui qui parle. Je vous jure que je me tais parce que c'est un mec super intéressant. Il a fait une émission avec moi sur son job et je peux vous dire que je suis resté baba parce que le mec il en tient une couche et il connaît pas mal de choses. Encore 2 petites secondes, je l'appelle et après je lui laisse bien sûr la parole. Évidemment ça me shoot. Oh, puis alors à chaque fois j'ai des notifications toujours du même mec là qui se photographie de profil avec son costume bleu clair ou bleu foncé pardon, c'est de la merde. Lui vraiment il raconte vraiment n'importe quoi lui hein. Lui c'est du grand n'importe quoi. Encore quelques secondes, je vais essayer de retrouver son numéro de téléphone en 2-2. Normalement je l'ai là, évidemment il n'est pas devant le nez. Voilà, est-ce que je peux l'avoir ici? Voilà, allez Féti s'il te plaît, le truc doit fonctionner normalement. Voilà, est-ce qu'on peut shooter ça? Voilà, il est en train de m'appeler, je crois que c'est lui. Je pense que c'est lui. Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? Allô, 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 allô? Allô, allô? Féti? Oui, allô? Féti? Ouais, reste avec nous. Reste avec nous, je te passe dans 2 secondes. Féti est avec nous, c'est une bonne nouvelle. Allez, on continue en tout cas dans ce que je suis en train de dire. Alors, j'ai une résonance. Oh là là, c'est horrible. Féti, je te rappelle tout de suite. Hop là, je vais le rappeler tout de suite parce que là, j'ai une résonance horrible dans le micro. Je termine et vous allez vous marrer. Restez bien avec moi, vous allez voir. Je termine. Alors, est-ce que vous êtes assez débile, assez idiot, sincèrement, pour croire qu'un espèce d'abruti fini en Andorre, encore une fois, pas le même, qui utilise Nabila pour vous vendre ses services, est un bon conseiller, sincèrement. Nabila, en 2018, te disait qu'elle avait gagné un max de pognon avec la crypto-currency Bitcoin. En définitive, elle vient de payer 20 000 euros d'amende pour publicité dissimulée. Kim Kardashian, attends, c'est pas fini, est dans le nez des régulateurs américains. Elle fait la pub pour Ethereum Max. Paris Hilton, Gigi Khaled, Dieudonné, ils font tous de la promo crypto, mais ne savent pas que ça ruine les gens. Ben oui, celui qui gagne 1 milliard en quelques semaines vole ce milliard à des jeunes cupides ou à des moins jeunes qui pensent avoir trouvé le moyen de se payer la retraite et se prennent pour les loups Wall Street. En tout cas, pendant ce temps-là, ils se détournent du vrai trading et de la véritable activité de négociant. La crypto, c'est le paradis du délit d'initié. Musk et son Dogecoin, on passe de 0,72 aujourd'hui à 0,25. T'imagines la culbute, on a perdu 3 fois ce que tu as investi. C'est génial. C'est pourtant facile de ne pas se tromper. Tous les médias te parlent de BTC, Bitcoin, Ethereum, Dog, XRP, Luna, Solar, Solana.
et surtout les médias que vous suivez, ils vous disent tous, c'est génial, tu vas être milliardaire, tu peux y aller dans la journée, tout se pète la gueule. Alors, le Bitcoin ce matin devait monter au Salvador grâce effectivement à son président qui autorise les transactions. Rappelle-toi encore, c'est Salvador, Henri Salvador, c'est pas le Salvador. Qu'est-ce que t'en as à foutre que le Salvador autorise le Bitcoin? C'est n'importe quoi. Voilà comment il gagne en crypto. Si la crypto ne vous intéresse pas et que vous voulez vraiment gagner de l'argent, rencontrez-nous, genius-station.com, genius-station.com. Moi, effectivement, je te montre que tu gagnes, je te le montre avec moi, je gagne, tu gagnes et ça marche. Salut Féti, t'es avec moi? Bonsoir, je suis avec vous. Ah génial, on est très content de t'accueillir. Moi, je n'étais pas encore à l'image, mais ça ne serait tardé. Comment tu vas? Très bien, très bien. Je vois que ça cristallise toujours autant les passions des milieux de la crypto, donc c'est intéressant de pouvoir en parler. Féti, si j'en parle pas avec toi, j'en parle avec qui? Toi, le pro. Alors lui, je vais vous dire un truc. Alors d'abord, on va vous faire un cadeau avec Féti. Il m'a autorisé à mettre son interview sur YouTube. On a fait une interview avec Féti qui parle de son métier. Le mec, c'est une tronche. Hein. Je dis pas ça parce qu'il est là, mais je te dis que le mec, c'est une tronche. Et là où il m'a fait plaisir, c'est qu'on tombe d'accord à 1000% sur ce qu'est le trading aujourd'hui. Arrêtez, arrêtez, arrêtez de mettre de la moyenne mobile, du RSI, du chouchoukou, un peu de salade et des oignons. Au kebab, ça se mange, mais le reste du temps, c'est pourri. Féti, ce soir, tu vas nous parler de toi, de ta façon d'approcher la crypto et la façon effectivement avec laquelle tu gagnes en crypto, s'il te plaît. Oui, effectivement. Donc, merci de me recevoir. C'est vrai que sur la crypto, du moins, on a un avis qui est divergent sur certains points. Moi, je pense qu'effectivement, il faudrait s'intéresser à qu'est la crypto en tant que telle, revenir à son histoire et contextualiser les choses. Et aussi, redéfinir qu'est-ce qu'un trader. Est-ce qu'un trader sur les equity, c'est-à-dire sur les actions, sur les indices, qu'un trader sur les cryptos, je ne pense pas, j'en suis même sûr. Complètement d'accord. Est-ce que l'analyse technique, voilà, est-ce que l'analyse technique classique que vous avez sur les equity ou d'autres classes d'actifs fonctionne sur les cryptos? Là, encore une fois, je vais être très nuancé, je ne suis pas spécialiste d'analyse technique, mais je pense que c'est limité, je ne vais pas dire que c'est totalement faux, mais je pense que c'est limité pour la crypto. Alors, après, est-ce qu'on peut gagner sur la crypto? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut perdre sur la crypto? J'en suis certain. La preuve en est, c'est que lorsque, on va dire, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, lorsque j'ai débuté comme si j'étais un senior sur la crypto, mais lorsque, on va dire, j'ai adopté une posture comme je pouvais avoir sur les equity, parce que je voyais un graphique, parce que je voyais des valeurs qui montaient, qui descendaient, j'ai perdu, et pas qu'un peu, j'ai perdu énormément. Non pas en suivant certains conseils, en y allant tout seul, parce que de par ma formation, je suis un financier, donc ce que je voyais sur les cryptos, c'était le même vocabulaire, les mêmes termes qui étaient empruntés sur la bourse classique, sur les marchés des actions, donc je pensais que ça ressemblait. Quand j'ai vu que j'ai perdu des sommes folles, donc la première des choses, c'est que j'ai rejeté ça en bloc, j'ai été déçu, j'ai crié à la ramasse. Et après, bon, je me suis posé, je me suis dit, bon, où est-ce que j'ai fait des erreurs? Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que ce qu'on appelle aujourd'hui crypto, c'est un terme galvaudé, que ce qu'on appelle token, c'est-à-dire des vocabulaires qui sont propres au monde de la crypto, mais il faut comprendre en fait quelle est leur utilité à ces fameux tokens, les jetons. Qu'est-ce que la crypto veut essayer de régler et comment elle est perçue par le public et comment aussi elle est manipulée par d'autres... qu'ils appellent les whales, les baleines, les personnes qui ont le plus d'argent sur ces cours. On a d'ailleurs, Féti, tu sais qu'on a dans notre chatroom, on a une chatroom qui s'appelle Crypto Wallets. Donc c'est les plus grosses qu'on appelle les baleines, même au casino ça s'appelle aussi les baleines. Ce sont toutes les transactions en fait de crypto, de compte à compte, qui sont très importantes. Et il y a pas mal de magouilles, Féti. Effectivement, donc déjà, il faut comprendre tout cela. En comprenant tout cela, on sait où est-ce qu'on peut se positionner. Parce que si vous comprenez le contexte dans lequel vous allez évoluer, dans l'environnement dans lequel vous allez agir, soit à un moment donné, vous acceptez le risque attenant à cet environnement-là, soit vous vous retirez et vous allez sur d'autres places d'accès. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir une vision manichéenne des choses. Il faut intervenir en comprenant où est-ce que vous allez investir. Je vais donner un exemple très concret avec mon cas, c'est pour ça qu'aujourd'hui que ma vie.
c'est que j'ai jamais tradé de Bitcoin. Personnellement, j'ai jamais tradé de Bitcoin. Pourquoi ? Parce que je comprends pas aujourd'hui ce que représente le Bitcoin en tant que tel. Donc, bien sûr, je comprends classiquement, théoriquement, ce qu'on nous dit. C'est qu'on est à l'histoire initiale. Le Bitcoin, c'était une méthode de paiement où on voulait chanter la tierce partie. Et le protocole Bitcoin permettait d'accélérer les transferts et servir de méthode de paiement. Vous voyez que Fétis, ce n'est pas la moitié d'un idiot. Fétis, tout ce qu'il vous dit, c'est ce qu'on vous répète. Et il a étudié le truc, c'est une tronche. Il est. D'ailleurs, tiens, tu peux nous préciser ton métier, Fétis, je vais te le laisser le dire. Qu'est-ce que tu fais comme job avant de continuer ? Ouais, je suis business analyst dans le trading de commodités d'énergie. Ok, pour ceux qui ne savent pas, on parle de mathématiques quantitatives, on parle de technologie en Python, on parle d'algorithmes, on parle... Donc les gars, bienvenue, on a une ponte avec nous, ça c'est clair, un ponte avec nous. Je te laisse finir, Féti. Bah, c'est très gentil. Donc, ce que je dis, c'est que, effectivement, le Bitcoin est passé d'un protocole qui répondait à un besoin vers une monnaie qu'ils appellent crypto-monnaie en tant que telle qui voudrait être une alternative à la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie à l'actuelle, voilà, la monnaie fiduciaire, que ce soit l'euro ou le dollar. Certes, parce que le Bitcoin, on dit que c'est le new gold, donc c'est le nouvel or, parce qu'il n'y en a que 21 millions. Pas de certes, on passe. Derrière, on se rend compte qu'il y a certains acteurs qui possèdent énormément de Bitcoin, qui peuvent faire bouger le cours très facilement et qu'on a une volatilité folle. Donc c'est vrai que le Bitcoin, entre 2010 et 2020, il a pris je ne sais pas combien de pourcents, c'est impressionnant, il y en a qui sont devenus véritablement riches. C'est une réalité, ça on ne peut pas le nier. Les émetteurs, Féti, pas les mecs qui dealent le Bitcoin sur les marchés, comme on deal un contrat, une option, un stocks, une equity. On ne peut pas faire ça. Par contre, un émetteur ramasse du blé. Et toi, tu es bien placé pour en parler, parce que c'est de la techno, ça. Alors, Luc, moi, sur ce point, je suis pas réellement d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est vrai que si on prend la majorité, c'est vrai qu'avec on a les émetteurs, on a les exchanges, on a toute la partie submergée qui fait beaucoup d'argent, qui fait énormément d'argent par rapport à la majorité des acteurs qui interviennent au niveau du Bitcoin et de la crypto. Mais véritablement, j'ai vu des personnes qui ont placé de l'argent sur des exchanges et qui ont gagné. Mais maintenant, est-ce que ça représente la majorité des intervenants? Mais Féti, avec quel max drawdown? Parce que tu peux gagner sur la crypto à partir du moment où tu sais que tu n'achètes pas cher. D'ailleurs, ça, c'est la règle principale, Féti, des marchés financiers. Quand tu fais un good deal, c'est parce que tu as acheté pas cher un truc que tu sais que tu vas pouvoir vendre plus cher. Il n'y a pas d'autre technique. Hein. Me racontez pas la technique de monsieur Madoff ou de ce site Kerviel, ce que tu veux. C'est t'achètes pas cher pour revendre cher. Mais pour faire ça, Féti, dis-moi si tu es d'accord, il faut que tu laisses ton portefeuille crever avant de gagner. Oui, je suis un peu d'accord. Je suis d'accord. Parce que je vais donner un exemple concret. Ce que je disais, c'est que il y a le contexte qu'il faut prendre en considération. Et lorsque vous allez acheter une crypto, aujourd'hui, il y a plus de 9000 projets crypto qui existent. Il y en a qui ont les réutilités, il y en a ce qu'on appelle des scams, c'est-à-dire une arnaque complète. Et pour que vous puissiez distinguer les uns et les autres, je suis désolé de vous le dire, mais il va falloir travailler, c'est-à-dire télécharger ce qu'on appelle les white papers, c'est-à-dire les documents qui donnent les renseignements sur les projets, et comprendre, vous, à votre niveau, si ça vaut le coup, s'il y a une réelle utilité, et si à un moment donné, ça va prendre ou pas. Faire du fondamental, Féti, faire du fondamental, s'intéresser au sous-jacent. Merde, il faut quand même revenir à la base de notre métier quand même. C'est vrai, faire du fondamental. Mais aujourd'hui, pourquoi je disais qu'un trader en equity et un trader en crypto, ce n'est pas la même chose, en tout cas à mon sens, c'est que lorsqu'on va vous parler de crypto, on parle d'une technologie qui est complexe, c'est de la cryptographie initialement. On parle de blockchain, on parle de transactions qui sont émises sur des réseaux. Pour essayer de faire comprendre ça à un public profane, il va falloir une émission de 2 heures. Je ne dis pas que c'est inatteignable, mais il est plus simple d'aller investir sur une action qui s'appelle Tesla, qui vend des manuels, qu'aller investir sur de l'XRP, dont on ne comprend pas aujourd'hui réellement l'utilité, qui a changé énormément de fois d'objectifs sur le marché.
Et quand on voit que, initialement, lorsqu'on parlait de disperté, même moi, j'ai fait l'erreur. C'est-à-dire que je voyais disperté, mais c'est à 15 centimes. Je me dis, ça me coûte quoi, c'est 15 centimes? Demain, si ça prend, à, je veux dire une bêtise, ça prend 100 euros, c'est génial. Mais le problème, c'est qu'on ne regarde même pas le market cap de ces cryptos. Elle vaut 10 centimes. Pourquoi? Parce que derrière, ils ont émis 1 milliard de tokens, c'est-à-dire 1 milliard de jetons. Et quelle est aujourd'hui l'utilité du jeton XRP? C'est qu'on se pose la question avant d'investir. Sinon, ce que vous faites, c'est vous allez investir, effectivement. Les 100 euros que vous avez vus, si vous achetez ça avec un ordre marché, tout à l'heure, Nick l'a dit, il y a un CPI, c'est-à-dire ce que vous voyez affiché et ce que vous allez réellement payer, bah, déjà, c'est vous êtes en dès que vous prenez votre position. C'est deux voilà. mondes. Maintenant, voilà. Ou. Ce qui serait intéressant de faire, c'est de mettre en place un ordre, ce qu'on appelle un ordre marché, un ordre limite. Okay, et là, vous l'avez effectivement au prix que vous souhaitez. Donc déjà, il faudra savoir passer un ordre de 1, connaître l'utilité du projet et voir aussi quel type de token. Quel voilà, bon quel sens token, mais quel bon sens. Écoutez ce que vous dit Fétiche, je vous le rabâche depuis des années. 1, on apprend à passer un ordre. 2, il faut quand même, Fétiche, savoir ce qu'on achète, merde. Tu vas quand même pas foutre n'importe quoi dans ton panier. Exactement. Alors maintenant, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que effectivement, moi je sais qu'il y a des... on peut gagner sur les cryptos. Mais il faut accepter de perdre. C'est-à-dire, quand vous allez voir une telle volatilité, aujourd'hui, la crypto, je suis désolé, mais ce n'est pas un investissement monétaire de famille. C'est pour des personnes qui ont un initié. Profil. Initié. Voilà. Ouais. Initié, mais qui veulent prendre aussi beaucoup de risques. Gambler. Voilà, clairement. Qui sont riscophiles. Parce que quand vous voyez que, encore tout à l'heure, là, on est monté pratiquement à 55 000 euros. 500 000 dollars, excusez-moi, sur le Bitcoin, et que là, je l'ai dit tout à l'heure, là, il est à 47 000. Les personnes, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Une personne qui déjà ne sait pas se gérer psychologiquement, parce que là, il y a énormément de psychologie, elle va revendre en masse, parce qu'elle va voir qu'il y a un mouvement baissier. Elle va revendre très rapidement, et elle va voir que le prix va remonter 10 minutes, une heure après. Fétille, et alors qu'elle, elle a perdu, et c'est juste Fétille, tu veux que je te dise un truc? Écoute bien, et je sais que tu l'as vécu, et je voudrais juste témoigner dans ce que tu dis, et que chacun puisse s'y retrouver. Écoute bien. Tout à l'heure, le Bitcoin et contre le dollar étaient quasiment à 52 500. On est descendu à 42 000. Écoutez bien, depuis maintenant à peu près 2 heures, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ordre qui passe sur Genius, nous sommes à 46 750. Et on est flat depuis maintenant quasiment plus de 2 heures, Féti. Alors, pourquoi on est flat, Féti? Il y a 2 explications. 1, il n'y a pas d'actu. S'il n'y a pas d'actu, ton marché ne bouge pas. Et à la limite, s'il ne bouge pas, c'est ce que j'arrête pas de le répéter au Genius tous les jours, s'il ne monte pas ton marché, il descend. C'est con, mais c'est le genre de choses que tu te répètes 10 fois et ça marche. Si ton marché ne monte pas, il descend. Comme ça, au moins, c'est réglé. Mais si jamais le Bitcoin ne marche pas, dans la cryptocurrencies, je parle bien de cryptocurrencies, pas de crypto-protocole, cryptocurrencies, en définitive, c'est peut-être parce que le broker t'interdit d'acheter ou t'interdit de vendre. Et la plupart du temps, c'est qu'il t'interdit de vendre, Féti. Tu t'en as aperçu de ça aussi. Le broker bloque son API, bloque sa station, tu ne peux plus rien faire, quoi. Alors, c'est vrai qu'à ce niveau-là, quand on a un mouvement de masse qui souhaite vendre ou acheter, c'est vrai qu'on a vu... Circuit breaker. Voilà. Ça, c'est un véritable problème. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut prendre ça en considération, c'est de se dire, est-ce que demain, moi, si j'interviens sur ce marché-là, si je ne comprends pas les composants qu'il y a dans ce marché et comment moi je vais essayer de trader, est-ce que je peux gagner? Ah oui, vous pouvez gagner, mais va pas falloir vendre quand tout le monde essaie de vendre et acheter quand tout le monde essaie d'acheter. Féti, tu sais qu'ils cherchent tous à faire les meilleurs coups, ils se plantent tous. En gros, sincèrement, tous les mecs qui nous regardent, et je peux te dire qu'il y a un paquet de personnes là qui nous regardent, ce que je veux te dire, Twitch, YouTube et Genius Station TV, ce que je veux te dire, c'est que ce marché attire que des go-go, que des mecs, et que, excuse-moi, l'autre il envoie un tweet dans ses chiottes parlant du Dogecoin, il s'est marré, hein, le Dogecoin explose. C'est normal? Non.
Alors qu'est-ce qu'il s'est dit le lendemain? Parce que le mec n'est pas un idiot. Il s'est dit, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser à mort le dog, je vais prendre 1 milliard et je me casse. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Est-ce que c'est normal, Fethi? Est-ce que ça, sachant que le produit n'est pas régulé, que les échanges n'ont pas les contraintes de loi qu'ont effectivement les brokers à travers l'ESMA, l'AMF, la SEC, des gens que tu connais, qu'aux États-Unis, ils veulent quasiment plus en entendre parler, que... Trump a dit que c'était une arnaque, bon lui il est pro-dollar de toute façon, que Biden a dit que c'était une arnaque, que le dernier, moi j'ai du mal à retenir son nom de famille là, le patron de la SEC, là, comment il s'appelle déjà, zut j'ai perdu son nom, comment il s'appelle le patron de la SEC déjà, zut, je l'ai dit tout à l'heure, bon ça me reviendra, il a dit que c'était une arnaque, il a dit même qu'il allait interdire certains exchanges. Et comment tu peux expliquer que Binance est en procès aux États-Unis, est en train d'être en procès en France? Mais non, t'inquiète, les mecs sont... Bonsoir, il est 14h, vous regardez Info Machin, on va vous parler du Bitcoin. Alors, tu as 53 ans, tu as 100 000 euros sur ton compte, investi, mais tout sur Ethereum. C'est normal ça, Fethi, tu partages toi ce genre de choses? C'est pas normal. Alors, en fait, ce monde-là, c'est très concrètement ce monde-là qu'il y a autour de certaines personnes qui influencent, qui ont certaines analyses, etc. C'est pas quelque chose que je porte, c'est pas quelque chose que je connais. Je suis tout à fait honnête avec vous. Est-ce que maintenant, tu t'es acheté? J'essaie d'être le plus nuancé possible. Est-ce que tu t'es acheté? Je pense pas, parce qu'il y a des personnes qui véritablement connaissent certains rouages. Et qui peuvent apporter aux profanes certains phénomènes complets pour les simplifier. Fethi, l'incitation à l'achat est interdite. Tu n'as pas le droit d'inciter qui que ce soit à acheter. Et eux, ils le font. Et ce n'est pas normal. Ils ne sont pas là ce soir, d'ailleurs. Oui, après, maintenant, moi, ce que je dis, c'est que... C'est ce que disait Pascal, c'est que bon, les promesses n'engagent que ceux qui le croient. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vos recherches. Comprenez pourquoi vous en avez peur. Je n'arrive pas à admettre qu'on a des personnes qui... Maintenant, on n'est pas en train de parler de millionnaires qui sont en train de placer de l'argent sur le Bitcoin, sur des termes. Exactement. Justement. Vous allez voir des mecs qui ont une épargne. Ils ont mis un an à constituer, qui vont tout mettre sur une crypto qui ne comprennent absolument rien et qui vont tout perdre. Non, je suis désolé. À un moment donné, il faut avoir du bon sens. Quand vous voulez acheter une bagnole, vous regardez les caractéristiques avant parce que vous voulez savoir si elle va tomber en panne ou non. Regardez si une crypto tient la route. Maintenant, ce que Luc, tu viens de dire, c'est très important, je relève ça parce que il est vrai que ce qui est bien, c'est qu'on a un débat contradictoire, c'est parce que je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, et on essaie de confronter nos idées, parce que ce que tu viens de dire, ça distingue une chose, et je suis content, et j'ai essayé de le souligner. T'as dit, il y a les cryptocurrencies et il y a les cryptos. Personnellement, j'ai investi sur les cryptos, c'est-à-dire les projets qui vont véritablement ramener la sur une utilité, qui vont répondre à un besoin, avec la technologie qu'on appelle blockchain. Okay, je peux vous citer plusieurs cryptos aujourd'hui qui ont fait des fois 8, c'est une réalité, qui a une volatilité énorme elle aussi, mais qui tend à répondre à un besoin que vous pouvez aller sur Internet, que vous pouvez utiliser, donc vous pouvez voir aussi l'utilité de leur service. Ça, c'est des choses que vous devez essayer de voir. Maintenant, ce que je dis, c'est que les personnes qui sont par exemple dans l'informatique, bah, pour elles, c'est très simple de discriminer si un projet va fonctionner ou pas. Je vais vous le dire comment ils font. Ils vont sur Internet, ils lisent le white paper. Déjà, le white paper, c'est le document qui renseigne les différentes caractéristiques du projet. C'est obligatoire, hein. C'est obligatoire, Fethi, même pour les IPO, les ICO, tout ça, c'est obligatoire. Voilà, obligatoire. Maintenant, s'il fallait convaincre, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont plus loin, ils vont sur ce qu'on appelle un Git, le GitHub. Donc là, le terme que je viens d'utiliser, tous les informaticiens le connaissent. Le GitHub. C'est un répertoire où on voit si l'équipe informatique développe des choses. Si on vous dit, voilà, aujourd'hui, si vous allez sur leur site internet, que vous allez essayer d'acheter leur crypto, que vous lisez le white paper, que sur le white paper, ils sont en train de vous dire, on est arrivé à un niveau tel qu'on va livrer notre produit d'ici un mois ou deux, que vous allez sur leur site, et que là, il n'y a rien. C'est des baratineurs. Vous allez partir dessus. C'est des baratineurs. Voilà, c'est évident. Donc maintenant, il faut comprendre une chose, on n'a rien sans rien. Il faut travailler, c'est-à-dire aller sur Internet, chercher l'information et investir seulement dans ce que vous comprenez.
C'est pas parce qu'on vous dit, voilà, le Dogecoin, je suis désolé, mais une monnaie avec une tête de chien, il y en a qui sont fait de l'argent, c'est une réalité, il y en a énormément qui ont perdu. Donc si vous me dites, c'est bien, on gagne, parce qu'il y en a 2000 qui ont gagné, mais 4 millions qui ont perdu, je suis désolé, c'est pas normal. Et moi, je n'irai pas dessus, personnellement. C'est le trading raconté par Fetty, c'est son métier, il fait ça tous les jours, mais par contre, il ne le fait pas comme les comiques, en tout cas, le font, il le fait de manière sérieuse, et il a compris qu'il n'en a rien à foutre du truc rigolo qui s'appelle BTC, USDT, UST, HWZ 4325, que je ne peux pas dire la suite. Ce qui l'intéresse, c'est véritablement l'essence, l'ADN de ce qui est émis, qu'on appelle d'ailleurs un token, et quel va être l'objectif, effectivement, de ce token. Fetty, encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous. Je te pose la question qui tue, t'es prêt ? Oui. T'es acheteur ou vendeur du Bitcoin ? Il va continuer à se péter la figure ? Bon, au risque de vous étonner, bien que je vous ai dit que je n'avais pas investi sur le Bitcoin, personnellement, je suis acheteur du Bitcoin, je suis pas vendeur. Bon, bah écoute, comme ça, au moins, c'est rentré dans nos oreilles. Merci beaucoup, Fetty. Je te souhaite une excellente fin de journée. Retrouvez l'interview de Fetty. D'ailleurs, vous le verrez si vous êtes abonné de Genius. J'ai vraiment envie de parler avec ce garçon qui est plein de bon sens. On parlera surtout, bien sûr, des commodities. Il a un collègue qui s'appelle Alexandre, qui est avec nous pour WTI Trading tous les mercredis. Et il sera là, effectivement, demain. C'est excellent. Parler avec des gens comme ça, c'est de la culture. C'est pas, tiens, achète-moi des PDF à 2009. Merci, Fetty. Passe une excellente fin de journée. Merci Luc. Salut, bye bye. L'émission arrive à son terme. On va parler bien sûr de ce qui risque de vous attendre sur le Bitcoin. Alors je vais vous parler de plusieurs choses. D'abord je vais vous parler d'un truc rapide qu'on utilise nous, les Genius. Je vais vous en parler. J'espère que mon écran va pouvoir s'afficher. Je m'étonnais de ne pas voir effectivement la winbar monter ou descendre, mais c'est pas grave. C'est simplement qu'en fait, ça bouge plus. Regardez, le Bitcoin, il bouge plus. Depuis le début de l'émission, il bouge plus. On a l'impression qu'il regarde aussi la TV Fortmonnaie. Ce qu'on utilise en fait, nous, chez nous, alors vous avez le DOM, bien sûr, et vous avez ici à droite le bracket. Et sur ce bracket, vous avez le drawdown average. Et ce drawdown average, en ce moment, est en train de nous dire que si jamais on voulait opérer au moment où je vous parle, il vaudrait sûrement mieux viser le côté sud que le côté nord. Alors, pour combien de temps ? On ne sait pas, puisque Genius est spécialisé en hyper court terme et de plus en plus en full marge. C'est pour ça que les scores sont véritablement très élevés. Merci Mariana pour mon écran. On peut revenir sur moi. Je vous rappelle que Genius, maintenant broker Simu, arrive. Il sera disponible dans l'app V3, cette app qui est juste magnifique. Hein. Tout ce que je vous ai dit dans la séance, cette émission, tout est dedans. Vous avez désormais, pour les abonnés d'abord et en version gratuite, messieurs, dames, Genius One qui sera disponible en fin de semaine, bien sûr en version extrêmement limitée, mais de quoi véritablement cliquer un peu partout. Vous pourrez passer des ordres, bien sûr, en simu sur le broker, ou alors vous abonnez et enfin vous êtes auto-trade 100% automatique. Vous savez, je vous en parlerai mardi soir prochain si vous voulez bien. On se fera une spéciale The Let Luc Money Show Genius V3. On aura tout de disponible en iOS et en Android et on aura tout. Enfin, je vous rappelle l'offre du soir. On a une offre actuellement. On est dans le game. C'est-à-dire que tu t'abonnes. Premier open demain matin, tu es avec moi sur les marchés européens. Ça gagne. Ça marche, ça gagne pas. Dans ce cas-là, je te double ton abonnement. Tu passes effectivement l'après-midi, tu préfères les produits américains. Eh bien, écoute, dans ce cas-là, ça gagne. Tant mieux. Si jamais ça perd, je double ton abonnement. Je vous rappelle que dans cet Open américain, j'ai sorti plus de 2 000 $ en full automatique. Je vous rappelle que depuis tout à l'heure, en full automatique, la Winbar clôt aujourd'hui le score de 2 482 €. Avec combien, Luc ? Avec 10 000 € de capital. Sur quel marché, Luc ? Ah oui, la crypto, c'est vrai. Sur les futurs, c'est certain. Sur les actions, évidemment, américaines, avec Qstrade aussi. On a Binance, Qstrade, Gain Futur. On s'occupe de tout. Une assistance technique téléphonique, une assistance technique par téléphone. Arrêtez de me mettre dans les pattes, s'il vous plaît, les débiles de Dubaï ou d'Andorre ou ce que tu veux. Arrêtez de me mettre dans les pattes des mecs qui t'envoient par SMS des signaux ou Instagram. S'il vous plaît, on est en 2021.
Dans moins d'un mois, vous allez avoir une voiture sans volant et sans pédale qui va circuler à San Francisco. Et bien, en France, en Espagne, aux États-Unis, en Asie, vous avez une Genius Station, une seule, la Genius Trading Platform. Genius Only for Money, bien sûr, avec de l'intelligence artificielle, du machine learning et du deep learning. Vous voulez effectivement gagner, n'hésitez pas. GeniusTradeUnionStation.com. C'était Luc, vous m'avez manqué. On se retrouve mardi ou pour les abonnés demain matin à 8h30 comme tous les jours. Take care, tchuss, enjoy. Je vous aime, ciao, bye bye.